Merci de votre visite dans notre cabinet. Moi, c'est Madame Nyota Amisi Annie, que vous connaissez, nommée comme ministre provinciale du Jard et Famille, nommée depuis le 16 mai 2018 par l'arrêté du gouverneur de la province, des provinces. Excellence, est-ce qu'on peut savoir l'état des lieux de votre ministère juste après le réaménagement? Oui, le ministère que j'ai l'honneur de diriger a un seul cabinet et équipé en matériel et fourniture de bureaux. J'ai trouvé en place trois conseillers qui s'occupent des quatre secteurs de mon ministère, à savoir les genres, les affaires sociales, la culture et art et la communication et médias. Excellence, bon, par rapport à ça, qu'est-ce que vous comptez faire juste après avoir occupé ce poste ici en province? Ce que je compte faire est que le gouvernement provincial fonctionne avec un programme d'action. Je compte matérialiser ces programmes. Toutefois, avec le concours de mes collaborateurs, c'est dans ce cadre que je programme une rencontre avec les animateurs dans des services techniques qui relèvent mon ministère. Excellence, juste après avoir proposé ce que vous allez faire dans votre mandat au sein du ministère ici en province, vous avez aussi reçu hier, c'était hier vendredi, certains bourgmestres de la ville de Kindu. De quoi il était question? Oui. Ce n'est pas seulement les bourgmestres. J'ai déjà reçu autant de personnes qui viennent présenter leur civilité ainsi que leur programme d'action qui relève mon ministère.